trois triplés. Un, deux, trois triplés. À trois, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À trois, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À trois. À trois, on se chamaille très fort. À trois, on s'aime encore plus fort. À trois, on est les plus craquants, les chouchous de maman. Et moi, n'oubliez pas! Bonjour, mes petits dormeurs. Bonjour. La, 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 la. Eh ben, dis donc, tu es en forme, toi. Un vrai petit cygne. C'était trop beau, ce spectacle hier soir. Moi, j'adore la danse. Oh, le lac des cygnes. La, 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 la. J'ai une idée. Ça te dirait de prendre des cours de danse? Oh oui! Quand je serai grande, je serai danseuse étoile. Je pourrai voler et sauter très haut. Je serai la meilleure, hein, maman? Bien sûr, la plus mignonne des danseuses. Mais tu sais, c'est bien de commencer par prendre des leçons. Regarde, j'ai trouvé une école tout près d'ici. Académie de danse classique de Mademoiselle Chausson. Dis donc, il est super son site. Oh. Waouh! Tiens, je vois que pour entrer dans cette académie, il faut passer un petit test. C'est quoi un test? C'est un examen. C'est très dur. Et un, et deux, et trois. Pour danser, il faut passer mon test. À ton tour, tu sais danser. Dehors. Et si Mademoiselle Chausson ne me prenait pas dans son cours? Pourquoi elle te prendrait pas? Ben, je sais pas, si elle trouvait que je danse pas assez bien. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Tu iras justement pour apprendre. Il faut t'entraîner, travailler les pas, les positions. On va t'aider à t'entraîner. Alors, faut bien regarder en l'air, comme sur le site. Vas-y, plié tendu. Plié tendu. Plié tendu. On passe à la souplesse maintenant. Aïe! C'est dur la barre! Oh! Oups! Bon! Le grand écart. C'est dur, mais on n'y arrive pas du premier coup. Oh! Je suis bloquée. J'ai une idée! On va faire un ballet tous ensemble! Ah non! On veut bien t'aider à t'entraîner, mais c'est tout! Ça sera comme le spectacle d'hier soir! Mais on n'est pas des danseurs. Oh le, soyez sympa. Vous vous souvenez comment c'était? Ah, c'est quoi ça? Je vais pas être en tutu, moi. Moi non plus. Berk, berk, berk. Oh. Pas de tutu, en tout cas. Mais non, vous serez pas en tutu. Toi, tu seras en méchant sorcier. Moi, je suis la princesse. Tu m'as kidnappée parce que tu es très méchant. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Toi, tu es le prince et tu viens me sauver. Vous voyez que c'est super à toi. Si vous voulez faire le test avec moi, je suis sûre que je serai acceptée. Le test? Oui, et quand je serai une grande danseuse, vous viendrez me voir à l'opéra et vous serez super fiers de moi. Et maintenant, tu nous donnes quoi si on t'aide pour le test? Ma collection d'autocollants. Et je rangerai la chambre toute cette semaine, d'accord? D'accord. Génial! Merci! Les enfants, on va faire des courses. Et puis, j'ai pris rendez-vous demain à l'académie de Mademoiselle Chausson. Ah bon? Là? Déjà? Demain?
Oui, j'ai tous les renseignements. Tu n'as plus peur? Non, non, ça va. Mais j'aimerais bien que ce soit déjà fini. Et voici votre paquet, Mademoiselle Chausson. Merci. Oh! Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Chausson de l'Académie Chausson? Oui, c'est moi. Mademoiselle Chausson? Mais elle a l'air très gentille. Oh, quelle coïncidence! C'est moi qui vous ai téléphoné pour ma fille. Allez, soyez sympa. On va faire exactement ce qu'on a fait. Voilà ma fille. Elle a rendez-vous pour... pour devenir danse aux étoiles. Oh là là, comme c'est beau! Bravo les enfants! Mademoiselle Chausson, est-ce que vous voulez bien me prendre dans votre cour? S'il vous plaît! Bien sûr! Après ce que je viens de voir, tu es acceptée! Et le test? Oh, le test! Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une simple formalité pour voir la taille et la souplesse des enfants et les mettre dans le bon cours. Oui! Merci, c'est grâce à vous! Mais c'est vrai ça, vous êtes drôlement doués vous aussi. Il faut venir au cours, on a besoin de garçons. Nous, c'était juste pour aider. On n'est pas du tout des vrais danseurs. Mais vous avez un sacré sens du rythme. J'ai peut-être des rôles pour vous dans le spectacle de fin d'année, ça vous dit? Alors je compte sur vous. J'ai hâte de voir ce spectacle de fin d'année. Si on va au cours de danse, toi, tu ranges la chambre toute l'année.